J'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Nous bénissons mon Dieu matin en notre gloire. Allez même, c'est lui-même qui fait ciel là avec terre, c'est lui-même seul nous gagnons pour nous adorer. Nous pas pour nous adorer l'autre bagaille encore à soi, matin, que bon Dieu pas nous, bon Dieu vivant, bon Dieu qui réel, bon Dieu qui capable. Jésus-Christ qui t'est mouru, qui ressuscité, c'est lui-même nous voulons adorer la matin. Amen. On dit nous-mêmes qu'à suivre avec nous en ligne, bienvenue dans la présence, bon Dieu. Que bon Dieu capable bénir au matin, capable augmenter la foi. Des fois, chemin en compte glissant. Il n'y a pas qui difficile, mais que bon Dieu est capable de kembeo. Ou même qu'il est avec nous en présentiel. Nous sommes bienvenus dans la présence, bon Dieu. Et que nous sommes capables de bénir matin. Amen. Ou même qu'il suive avec nous. Nous pouvons chanter 122 français chant d'espérance qui dit il est une sainte guerre. À la gloire de Dieu. Nous faisons bien gay. À la gloire de Dieu. Pas bon Dieu, gloire matin. Après une semaine de travail, nous avons notre semaine qui commence. C'est celle-là même qui a fait ça. Adore avec tout cœur matin. Merci Seigneur. Il est une sainte guerre. Il est un combat divin. Entre le ciel, entre le ciel. Il est un combat.
couronne qui attend nous au dernier jour. Il va voir les anges venir mettre, c'est lui-même qui vient mettre sur tête nous. Quel privilège! Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est ça qui fait nous pas pour esclaves en rien. Nous pas pour faire en rien parce que nous c'est petite. Mon Dieu. Amen. Amen. Vous réveillez-moi avec une mélodie ou bon moi un chant d'amour. Un chant délivrance devant ennemi. Yeah.
Nous disons, Seigneur, merci matin de ce que nous avons assurance que après la bataille, c'est lui-même qui va le déposer couronne sous tête nous et pas les hommes qui va déposer couronne. Si c'était les hommes, faut nous avoir en pile l'argent. Si c'était les hommes, faut le faire élection. Si c'était les hommes qui t'a mettre couronne, faut le faire en pile démagogie pour nous avoir gagné. Mais c'est bon Dieu lui-même qui va le déposer pour nous-mêmes. Nous disons Seigneur merci pour ça. Nous allons prier bon Dieu matin. Adorable Père Céleste, Papa nous qui dans le ciel là, Dieu d'amour, nous disons merci Seigneur, Dieu trois fois c'est dans n'importe ça que nous y est, nous capables de faire confiance parce qu'on n'a pas agi pour nous-mêmes. Quelle que soit la difficulté, yo, Seigneur Dieu trois fois c'est nous capables de faire confiance parce qu'on n'a pas agi. Quelle que soit, cher Seigneur Dieu trois fois c'est tempête, yo, Seigneur Dieu tout puissant, nous capables de faire confiance parce qu'on n'a pas agi, cher Seigneur Dieu trois fois c'est. Merci Seigneur Dieu trois fois c'est de ce que éternel désormais c'est vous-même capables d'agir pour nous-mêmes. Dieu d'amour, nous disons merci Seigneur pour grandeur. Merci pour présence ce matin, cher Seigneur Dieu, trois fois saint dans le sanctuaire là. Merci, cher Seigneur Dieu, pour chaque monde qui fait apparition, qui vient, Seigneur, pour venir adorer au matin éternel, Dieu tout-puissant. Côté Seigneur Dieu, trois fois saint, tout nom nous, tout corps nous, tout zone nous, tout Seigneur Dieu, trois fois saint, sans nous, n'a pas ou gloire, n'a pas ou louange, parce que Seigneur, c'est vous-même qui bon Dieu nous. Alléluia, merci, cher Seigneur Dieu, trois fois saint, pour ta grâce éternel Dieu tout-puissant. Papi chéri, nous lever service dans mon matin éternel Dieu tout-puissant. Nous mandons Seigneur Dieu prend premier place dans mitan nous éternel désormais. Fait tout ça que nous pral faire matin, c'est pour gloire non capable béni. C'est tout ça que n'a dit cher Seigneur Dieu trois fois saint, c'est pour Seigneur Dieu gloire non. Papi chéri, nous lever cher Seigneur Dieu trois fois saint, serviteur ou qui vient pour prêcher parole ou éternel désormais. Nous mandons Seigneur Dieu va remplir li avec Seigneur Dieu trois fois cet esprit ou va remplir le cher Seigneur Dieu trois fois avec parole ou cher Seigneur Dieu jusqu'à ce que corps li capable rempli. Cher Seigneur Dieu, il va partager li avec nous éternel Dieu tout puissant. Papa nous mando va animer li avec cet esprit ou cher Seigneur Dieu tout puissant éternel désormais. Tout l'autre qui malade dans moment ça éternel Dieu trois fois saint qui pas faire apparition, cher Seigneur Dieu trois fois saint pour venir adorer ou cher Seigneur Dieu en personne. Nous mando va toucher au côté ou ya Seigneur Dieu trois fois saint bien-aimé ce nous ce Marie-Jo éternel Dieu tout puissant. Nous mando tant prie cher Seigneur Dieu va faire grâce éternel Dieu trois fois saint côté capable retourner dans mitan nous encore cher Seigneur Dieu tout puissant et nous lever toute l'autre cher Seigneur Dieu trois fois saint bien-aimé frère nous cher Seigneur Dieu trois fois saint papa ou va garder li côté lié dans moment ça éternel désormais. Tout l'autre qui malade cher Seigneur nous lever au nom éternel Dieu tout puissant papa nous lever Seigneur Dieu trois fois saint chaque bien-aimé nous yo éternel désormais qu'a préparé pour yo vini cher Seigneur Dieu que dans premier service ou deuxième nan, cher Seigneur Dieu ou va avec yo éternel désormais dans route éternel Dieu tout puissant ou pas quitter aucun malheur aucun danger rivé yo cher Seigneur Dieu tout puissant matin papa nous fort confiance nous bénissons cher Seigneur Dieu trois fois saint papi chéri et nous lever cher Seigneur Dieu chaque papa qui dans salon nous lever au nom éternel Dieu tout puissant nous mando va béni yo et on va continuer travail ça cher Seigneur Dieu trois fois saint et bon travail que y a fait dans foyer yo comme ça cher Seigneur Dieu trois fois saint année après année yo capable célébrer cher Seigneur Dieu trois fois saint avec famille au Père Saint. Papa chéri, nous disons merci mon Père. Nous disons merci mon Père, Papa Céleste nous et nous mandons cher Seigneur Dieu trois fois saint, on va continuer bénir, nous continuer accompagner nous dans quel que soit Seigneur Dieu trois fois saint moment yo. Nous prions papa chéri nous parce que nous bon nous dit mais nous prions dans nom petit Jésus qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bon Dieu bénis-nous. Bon Dieu bénis-nous. Amen. Recevez la bénédiction. Bon Dieu bénis-nous. Amen. 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 Nous disons bon Dieu merci de ce que nous faisons la matin. Hein. C'est grâce à lui, c'est pas à l'âme qui réveille nous, mais c'est bon Dieu qui réveille Alléluia. Nous. Alléluia, yes. Nous pas plus yes. Bon que tout l'autre, yo. Mais c'est grâce. C'est grâce. Juste avant annonce, nous disons bonne fête avec tout papa, yo. Bonne fête avec spécialement papa spirituel, non, Pasteur Versan David Luis. Et tout pasteur Baké, pasteur Ezekiel, nous disons bonne fête. Bonne fête à tout papa. Et nous disons bonne fête avec Marie, spécialement qui a gardé là. Nous avons, comme annonce habituelle, nous avons mardi, 10h midi, une prière. Mercredi, 7h, 8h,
prière. Vendredi 10h45, minuit, gen prière. Après ça, nous gen jeûne chaque dernier samedi du mois. Dernier samedi ça, nous gen deux, nous doublé. Non seulement nous gen jeûne, nous gen enseignement tout. On nous construit tête nous, on nous construit l'église là. Les nous connaissons la parole, n'a parlé avec sagesse. N'a aider l'autre monde nous pas pousser dehors avec parole dans bouche nous avec regard nous n'a bien en pile sagesse pour nous gain n'a bien tolérance le nous connaît la parole nous besoin venir pour nous entendre la parole m'encourager nous venir prendre venir nourrir âme nous même Jean quoi a besoin nourrir âme n'a besoin nourrir tout à la gloire de Dieu ça veut dire samedi si Dieu veut à partir de 10h n'a prendre tout le monde là n'a fin bien âme nous avec la prière après ça n'a manger la parole amen. Après ça, nous avons un cours musique nous qui déjà commencé, comme nous connaissons déjà. Nous avons un cours mathématique là qui déjà commencé tout. Midi, lundi, midi. Nous avons commencé à midi, samedi, midi. Mais nous avons un privilège à ne pas rater. Ça veut dire depuis que c'est même l'église, là, rien. Un yota. Pas bay un yota. Même si c'est infirmière, ou avez besoin de cours mathématiques, vini. Bâton. Que bon Dieu capable bénir nous. Bon dimanche. Gloire à Dieu. À nos cris, alléluia. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Préparez-vous. Nous bénissons le Seigneur pour semaine qui te fait nous passer en bien. Nous pas gain gros cas pas gain cas maladie que nous enregistré nous ouais tout le monde en pleine forme et ou même amis des ondes ou même des amis de Facebook YouTube nous dio bienvenue dans service à matin et l'église baptiste bonne nouvelle baptiste good news nous content parce que ou déjà branché dans le ça. Et nous fait nous ça fait nous plaisir nous quoi même Haïti dans moment branché tout et cap garder programme ça et donc nous content et donc et Buya c'est pour c'est la prière continuer prier pour l'église là pour que le Seigneur capable faire route avec nous et c'est la prière qui pour mettre l'église dans dimension nous ta remet ouais l'église de Jésus-Christ. La prière avec continuer à encourager yon lot pour yon capable venir dans service ça et c'est encouragement sous encourager l'autre monde tout à encourager venir tout sous pas encourager yon y a pas envie venir mais l'autre encourager monde y a pas envie venir dans service là pour nous adorer ensemble donc matin c'est pas nous mêmes qui approcher nous gain plaisir pour nous introduire yon zanmi nous et yon qui était venu à l'église là plusieurs fois donc nous senti après échange que nous fait nous c'est yon monde qui gagne la parole de Dieu dans lit et donc par conséquent nous inviter pour être capable venir nourrir nos matins en l'occurrence serviteur et Amayel Metellus n'a demandé le passer devant matin c'est lui-même qui poil côté et message parole bon Dieu pour le matin hein, c'est le frère et Amayel Metellus matin cap nous donc que vous devez nous matin amen. Merci l'église bon Dieu bénis nous et matin c'est un joie ensemble avec un cœur content parce qu'il nous dit joie nous dit cœur content même bagaille et si n'a présenté nous c'est un simple frère nous déjà c'est frère Amael Johnson Metellus nous va dire tout ça nous y mais nous sommes un jeune garçon qui voulait servir bon Dieu, mais en même temps, qui prend un pile coup
dans l'expérience que le fait avec l'Église. Et la décision que nous te prenons, nous avons dit nous allons jamais camper derrière chez encore. C'est ça que nous t'ai dit. Et moi-même de tempérament, mon seule parole. Yes or no, that's me. Ça va qu'a fait, ça qu'a fait, n'a fait ça. Alors, bon Dieu qui pique grand passé, dans l'amour, il était où elle m'a dit parole ça, c'était parole d'émotion. Et dans sagesse, il conduit nous la matin. Et nous dit, bon Dieu, merci pour ça. Le fait qu'elle permette nous capables de camper encore dans non lit après tant de fois nous goumen pour nous pas camper, mais à chaque fois nous goumen, nous voyons que force nous pitié et c'est bon Dieu qui toujours gagne la bataille là. Et nous bénissons bon Dieu pour ça matin. Et sans plus tarder, n'a pas rentré dans lecture parce que nous connaissons que nous pas grand pile temps devant nous. Et nous avons dans la lecture et puis nous avons fait mise au point et pour nous capables de comprendre ce que nous allons parler matin. Avant de nous commencer à prier, Éternel des armées, nous bénissons, nous disons merci. Nous avons d'autant plus, Seigneur mon Dieu, de son action, Seigneur mon Dieu. Pas qu'il nous dit rien selon nous-mêmes, mais fais-nous parler dans nous, au nom de Jésus. Amen. Nous allons faire deux lectures pour nous. Nous allons faire lecture dans Jean chapitre 6, le verset 63, et Jacques chapitre 1, le verset 22. Nous allons faire Bible dans Jean chapitre 6, le verset 63. Nous allons faire Bible français avec. La lecture de la parole de Dieu se trouve dans le livre de Jean chapitre 6, le verset 63, et Jacques chapitre 1, le verset 22. Dans le livre de Jean, le chapitre 6, dans le verset 63, Jésus parle avec ses disciples. Dans le verset 63, il dit, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. La parole que je vous ai dite, sont esprit et vie. » Rete sous deux mots ça, esprit et vie. Souligné dans la Bible, esprit et vie. C'est ce que nous allons chita matin. Nous allons lire Jacques chapitre 1, le verset 22. Jacques chapitre 1, le verset 22. Jacques chapitre 1, si vous pouvez mettre une petite feuille dans Jean et puis mettre virer Bibou dans Jacques. Chapitre 1, l'offre jeune Colossien, ou jeune Hébreu. Et une fois qu'on jeune Hébreu, après Hébreu, nous jeune Jacques. Jacques, le chapitre 1, le verset 22. Je lis pour vous. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. Jacques, chapitre 1, le verset 22, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. OK. Maintenant, si nous faisons un petit étalage historique sur le livre de Jean et de Jacques, nous sommes capables de dire le livre de Jean écrit entre période de 80 à 95 après Jésus-Christ. Et le livre de Jacques écrit dans les années 45, entre 45 et 49 après Jésus-Christ. Mais selon le canon biblique, là, nous trouvons que Jean lit avant Jacques. Mais pendant ce temps, Jacques écrit avant l'évangile de Jean. Est-ce que nous comprenons ça? Mais maintenant, de M. Sayo, il écrit dans un contexte. Jean et Jacques écrit dans des contextes historiques différents. Est-ce que nous comprenons Zambaldien? D'ailleurs, nous faisons étaler de Zambaldien pour nous comprendre. Nous disons que Jean et Jacques écrit dans des contextes historiques différents. Jean écrit dans les années 80 sous demande de l'Église de l'Asie. Sous demande de l'Église de l'Asie mineure, les chrétiens de l'Asie proposaient à Jean puis écrit en lettre, peut-être qui ça, parce qu'à cette époque,
Il y a des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux théologiens qui mettent en doute la divinité de Jésus-Christ. Et ça, il faut voir après l'épître de Jean, les centrer sur la divinité de Jésus-Christ, à tel point que le premier chapitre du livre de Jean n'a pas de généalogie. Il dit au commencement, est-ce que nous reprenons? Au commencement, ça veut dire que Jean, pour prouver la personnalité, la nature et la divinité de Jésus-Christ, il écrit l'être ça dans condition ça. Ça veut dire que Jacques lui-même, il écrit dans une période historique qui est différente. On va le faire nous comprendre. Pas bien, lorsque le Saint-Esprit descend à Jérusalem sous les disciples, l'église était en forme restreinte. L'église, la première église était l'église de Jérusalem. Mais non, pour que cet évangile, pour que cette grâce soit dispersée, maintenant, il fallait la persécution. Bon Dieu permet qu'on persécution qui levait en dans l'église là. Premier monde qui mourit, premier martyr là, le premier martyr qui est le premier martyr Étienne. Diacre Étienne qui était le premier martyr mourit après la mort d'Étienne. L'église était dispersée. Maintenant, en fonction de cette dispersion, on peut voir que Jacques lui écrit, lui dit, lui adresse dans chapitre 1, aux 12 tribus dispersées partout. Maintenant, ça veut dire que le livre de Jacques lui fait partie de l'épître générale qui écrit aux chrétiens dispersés par la persécution. Et c'était le plan de Dieu. Et ça fait même du matin, il y a des persécutions qui viennent de Dieu même. Il y a des persécutions qui viennent de Dieu même. Il y a des bagages qui viennent dans la vie, c'est mon Dieu qui veut. Il veut pour être capable de mettre au plus grand. Et c'est ça que les chrétiens doivent penser. Mais maintenant, ce matin, en reliant ces deux versets, en reliant ces deux textes, qui sujet que nous tirons matin de texte là? Nous allons parler de l'intelligence spirituelle. Le sujet de ce matin, c'est l'intelligence spirituelle. Dans le livre de Jean, Jean dit, la parole de Dieu, Jésus a parlé, il dit, ma parole est esprit et vie. Maintenant, il y a deux mots dans cette phrase, il y a deux mots dans cette phrase, il y a deux mots dans cette phrase qui expliquent un bagage qui non texte là qui explique un bagage qui est important, la vie et l'esprit. La vie qui liée avec la naissance, de pour vie ou naissance. Et lorsqu'on voit esprit, on voit la spiritualité. Lorsque l'esprit, lorsque quelque chose là, Jésus-Christ dit ma parole est esprit et vie, ça veut dire que ma parole donne la naissance spirituelle et donne aussi la vie. Lorsqu'il y a la naissance, il y a la spiritualité, il y a l'entité spirituelle. Ça fait, Jésus-Christ dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça veut dire que la nouvelle naissance a rapport avec l'homme spirituel, qui empile l'église négligée. Lorsqu'on ne parle de l'homme spirituel, tout le monde qui est tendance avec le monde qui est saint, le monde qui va dans rien. Non, ce n'est pas ça du tout. Et apôtre Paul, dans le livre de Romains, chapitre 6 et chapitre 7, lui expliquait bien le combat entre l'homme spirituel et l'homme charnel. Lorsqu'un chrétien accepte Jésus-Christ pour la première fois, il y a deux entités qui naissent la caillou. Il y a l'homme charnel qui était là déjà et l'homme spirituel qui naît de Dieu. Maintenant, puisque l'homme charnel, il fait naturellement son fille avec un garçon qui met ensemble et puis qui font petit monde. Maintenant, il y a aussi tout Dieu, lorsque la parole entre en dans un chrétien, il bat la naissance à l'homme spirituel. Et ça fait l'apôtre Paul qui ça le dit, l'apôtre Jacques dit, ne vous bornez pas. Ça veut dire que à moins que un chrétien limite le temps de la vérité, c'est à moins que ou moins intelligent. Lorsqu'un chrétien moins tend des paroles là, lorsqu'un chrétien néglige la parole de Dieu ou moins intelligent. Il dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu
Parce que celui qui se borne à écouter la parole de Dieu n'a pas de raisonnement spirituel. Maintenant, c'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est la faculté de l'homme qui a la capacité de raisonner, de juger, de connaître le bien et le mal, le vrai et le faux. C'est la capacité de l'homme de juger, de connaître le vrai et le faux, et qui est capable de faire rapport avec ça bon, avec ça pas bon. Par exemple, je connais pour ne pas faire d'autres dans ça. Qui est-ce que je connais pour ne pas faire d'autres dans ça? C'est l'intelligence. Parce que l'intelligence me dit immédiatement, je mets des doigts dans ça, qui est-ce qui a passé? Je m'a blessé. C'est l'intelligence. Maintenant, lorsqu'on a parlé d'intelligence, je voulais pour nous confondre. Il y a trois types d'intelligence. Il y a l'intelligence humaine, sont faites avec là. Il y a l'intelligence artificielle que nous pouvons expliquer, non, peu de mots, et l'intelligence surnaturelle ou spirituelle. L'intelligence artificielle, c'est ça que l'homme crée. Par exemple, les ordinateurs, tout ça capable de faire automatisation, que nous pouvons prêter sous lui. Maintenant, l'intelligence naturelle, c'est ça fait avec là. Mais l'intelligence spirituelle, c'est ça, bon Dieu, bah où? Et seule façon pour un chrétien posséder l'intelligence spirituel, c'est par la parole de Dieu. Celui qui se borne à écouter la parole de Dieu n'est pas intelligent. Mais maintenant, si on a parlé de l'intelligence, si on a porté dans la profondeur même de l'intelligence spirituelle, gon bagay que moi t'a réfléchi hier soir sous texte là. Tendez bien. Et dans six aspects ça yo, matin en koto chita là ou pral wè, est-ce que réellement ou doté de l'intelligence spirituelle ou pas? Nous pral citer six aspects ou six indices que nous gagnons pas gain temps. Six aspects ou six indices qui déterminent l'intelligence spirituelle. Il y a six aspects ou bien tout, il y a six indices ou bien six traits de caractère qui identifient l'intelligence spirituelle dans la vie. Et maintenant, nous pourrons citer au matin, nous pourrons est-ce que vous-même vous pourrez déterminer ce que vous-même vous gagnez. Les six aspects de l'intelligence spirituelle, ou six indices qui déterminent, ou même tout qui fait me connaître réellement, est-ce que spirituellement je possède la capacité ça. Premièrement, c'est l'aspect racheté. Deuxième aspect, deuxième indice, c'est l'aspect renouvellement. Troisième, c'est l'aspect illuminateur. Quatrième, c'est l'aspect éprouvé. Cinquième, c'est l'aspect bénéfique. Sixième, c'est l'aspect équilibré. Nous avons bien temps matin. Je me connais deux services. Nous avons pour nous capables de permettre que tout le monde soit dans l'ordre des disciplines. Attendez. Nous avons répété pour nous. Il y a six indices. Indice, c'est que ça, c'est un bagage qui permet de déterminer l'autre bagage. Il y a six aspects que Mbral dit là, matin là, qui pral permettre ou connait, est-ce que réellement ou gagne l'intelligence spirituelle là kayo? Premièrement, on dit l'aspect racheté. Deuxièmement, l'aspect renouvellement. Troisièmement, l'aspect illuminateur. Quatrièmement, l'aspect éprouvé. Cinquièmement, l'aspect bénéfique. Et sixièmement, l'aspect équilibré. Premier aspect ou indice, nous pral parler de lui là, qui détermine l'intelligence spirituelle, ou que c'est un indice qui fait me connaître, est-ce que réellement, moi, j'ai faculté, c'est là, c'est nous capables de l'aspect racheté. C'est qui ça l'aspect racheté, aïe, même. L'aspect racheté, c'est l'aspect de l'intelligence que donne la parole qui nous permet de comprendre la gloire de Dieu. Je vais répéter encore. L'aspect racheté, c'est l'aspect de l'intelligence spirituelle, son indice de l'intelligence spirituelle, non? Qui vient de la parole de Dieu, qui permet de bailler importance à mon Dieu. Maldou. Dans 2 Corinthiens 4, verset 6, il dit, Dieu a fait briller la lumière de sa gloire pour faire resplendir la connaissance de sa gloire. Dieu a fait briller à nous-mêmes l'aspect de sa gloire pour le capable faire qui ça pour faire resplendir la connaissance, nous, la connaissance de la
de la gloire. Ça veut dire l'aspect racheté dans la vie en chrétien, li fait bay bon Dieu plus importance. Li fait chrétien ça bay les affaires de Dieu plus importance. Li fait que chrétien ça si d'autres fallait qu'on négligeait les affaires de Dieu, li vinn plus attaché avec Dieu. Ça veut dire que nous pral comprendre faiblesse l'église aujourd'hui hein, son manque de parole que lui. Et nous avons ça pi du hein, l'église c'est une bagarre qui pi négligée. Pour qui raison? L'homme a vaqué dans toute activité, yo dans toute bagarre, yo connaît plus au fait tout à fait. Mais quand il s'agit de l'église, tout le monde l'est. Quand il s'agit de l'église, toute bagarre fait en négligence. Quand il s'agit de l'église, c'est simvlé. Quand il s'agit de l'église, minchita la mine pas son temps. Quand il s'agit de l'église, tout le monde busy. Pour qui ça? Est-ce que nous-mêmes, en tant qu'hommes de Dieu, nous sommes bagarre qui est naturel? Non. Parce que fait le diable? Il dit comme ça, la boucher intelligence nous. La obscurci l'intelligence nous. Pour nous capables pas ouais qui ça? Pour nous capables pas ouais briller les choses de Dieu. Et maintenant, lorsque l'aspect racheter ça, il fait quoi la gloire de Dieu? Il fait moi Dieu en tant que sauveur. Il fait moi Dieu en tant que mon sauveur et mon maître. On pas capable servir. Et ça veut dire qu'on néglige servir mon Dieu, c'est un aspect là qu'on pas gagner. Le chrétien qui reçoit vraiment la lumière de Dieu ne peut pas négliger Dieu. Ça va vraiment mentir la donne chrétien. Pas que chrétien, pas que mentir la donne. Yon moun ki pané spirituellement ou pas besoin goumer avec mais moun ki spirituellement ou pas besoin goumer avec pour louer ou pas besoin goumer avec pour chanter ou pas besoin goumer avec pour prier ou pas besoin bataille avec li connaît son devoir pour servir Dieu. Servir Dieu c'est un devoir et c'est une obligation. On ne fait pas le choix de servir Dieu mais on doit servir Dieu. Ça fait des fois moi que tu as dit merci oh parce qu'elle a mangé la cali parce qu'elle a machine. Non, est-ce qu'il paye pas de ça tout? Que tu as baillé louange parce qu'elle a travaillé parce qu'elle a mangé, elle a de toi poule, elle a dans frigidaire, elle a baillé mon Dieu gloire. Ça pour raison. Ça c'est une raison, mais pas qu'à raison principale. Parce que une raison principale pour un chrétien baillé mon Dieu gloire, c'est le fait que ou joindre la lumière de Dieu. Ou qu'on intelligence que les hommes, le monde de ce monde, pas gagné. Gardez les grands de ce monde, gardez ça qui a passé là. Non, qui sont les hommes investis dans yo? Dans les âmes. Non, qui est-ce qui est plus gros âmes? La guerre, l'argent, les richesses. C'est dans ça les hommes investis dans eux. Qui est-ce qui a plus gros missile? Qui est-ce qui a éclaté le monde en secondes? Bon, là, on a battu l'estomac, les boules disent la quand on va le retourner. C'est pour montrer à tel point que Satan obscurcit l'intelligence. Ça veut dire que plus grand bagaille qu'on est capable de gagner comme bénéfice, c'est pas le fait que ou pas ouais, dans la même direction avec tout le monde. C'est ça l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle me permet de voir dans une direction différente. Il me permet aussi de voir les choses comme Dieu le voit. C'est ça l'intelligence spirituelle. C'est ça l'intelligence spirituelle. L'aspect racheté. L'homme vient jouer une crise. Une des premières bagages qui permet de gagner la vie spirituelle là, c'est Jean servi bon Dieu. Sous servi bon Dieu, négligence, ça va me sortir son monde mou. Oui. Son monde mourir. L'homme gagne mort, qui sort de mort. Qui sort le café. L'elle couche dans ce cercle là, qui sort le café. Rien. Il ne peut rien. Il n'entend, il ne voit, il ne peut. Parce que l'Iséon mort. Mais celui qui est vivant bouge, il parle et il voit.
Ça veut dire que celui qui a la vie spirituelle est vivant aussi spirituellement. Moun qui a la vie spirituelle, vivant spirituellement. Moun qui a la vie spirituelle, voit les choses comme Dieu le voit. Celui qui a la vie spirituelle, vivifie. Celui qui a la vie spirituelle, sentit la présence de Dieu. Moun qui, par contre, moun qui chita à l'église, est comme si son temps vient passer. Il vient chita comme si tout le monde chita, il vient chita. Ou même vient faire parce que elle est présente. Non. L'homme vient de l'église ou vient dans la maison de Dieu. Je suis venu pour donner gloire à Dieu. Mais pas donner gloire à Dieu, non, aspect côté que c'est chita, mishita. Mais il faut aussi que je sens la présence de Dieu. L'église, c'est la présence de Dieu. L'église, c'est l'affaire de Dieu. Là, on dit que je suis capable pour chanter, le chanter selon Dieu. Et même musiciens aussi, c'est des hommes de Dieu, et tout. Parce que ils ont manifesté des choses selon Dieu. Je ne sais pas si je suis trop, je connais. Nous avons stop, je n'ai pas de problème. Si nous avons aller trop, fais un signe. Pour me camper. Par exemple, la femme samaritaine. Dans l'intelligence cachetée. Peut-être dans l'autre femme, nous avons une barrière. Est-ce que nous là? La femme samaritaine, lorsque elle rencontre avec Jésus, je vais expliquer l'aspect racheté. Lorsque elle rentre avec Jésus, il y a plusieurs maris. Et toutes maris, ça a eu une patte pour lui. Il passait plusieurs déjà, mais bon, dernier, pas pour lui, il était dans la main. Mais lorsque elle rencontre avec Jésus, qui sait Jésus fait, il lui fait voir la lumière. Est-ce qu'on comprend le bagage là? Lorsque on rencontre avec Jésus, il est éclairé. Lorsque on rencontre avec Jésus, il y a un bagage, il n'y a pas besoin d'où faire. Automatiquement, on va quitter. Automatiquement, on va quitter. Est-ce que c'est Jésus qui t'est gourmé avec dame dans tes dîles pour te quitter Marie? Mais elle a senti la nécessité. Amen. Elle a senti la nécessité d'abandonner le péché. Le péché, c'est ça l'aspect racheté. Lorsque je suis dans le feu noir, je suis une lumière. Mais ouais, ça m'a fait un feu noir. Et même quitter le feu noir pour une lumière. Maintenant, lorsque la lumière est venue dans ma vie, je dois témoigner et manifester la grandeur de Dieu dans ma vie. Ou bien, madame n'a le couru. Il dit, oh, moi, si je n'ai un homme qui dit tout ça me fait. Non, dit tout péché que me fait. Mais non, immédiatement, il est venu en évangéliste. Elle proclame la parole de Dieu, pasteur. Ne bon, moun pas fait travail dans l'église. Ça veut dire, il n'y a pas d'intelligence spirituelle à Kali. Moun pas forcé, moun travaille à l'église. Moun pas forcé, moun fait ministère dans l'église. Immédiatement que tu reçois l'intelligence de Dieu, tu travailles pour Dieu et tu reçois automatiquement le don de Dieu. Moi-même, je suis caché. Et ma maman, on partit dans le témoignage pour me terminer. Je suis caché parce que je suis de tempérament. Je suis orgueilleux. Qui sont vieux tempérament. De mon monde, ferme mon bagage, ferme ni net, ou pas pour ferme ni encore. Mais Dieu, dans son amour, qui ça le fait? Lorsque tu es esclave de Dieu, ou pas qu'à courir pour mon Dieu, lorsque la lumière de Dieu brille en toi, quel que soit quand on caché, mon âme, parce que bon Dieu, tant pis, ou mettre caché en bataille, ou mettre caché dans le caille, ou mettre caché dans votre maman, Dieu, mon âme, à boire, je devine dans l'église seulement pour mon père, dire que je mais maintenant, bon Dieu, mettez-moi en route, quand je campe encore derrière, cher, tout ça, c'est la gloire de Dieu, parce que mon bagage dans moi, je dois diffuser, mon bagage, moi-même, pas qu'à cacher. Celui qui a la puissance de Dieu, qui a la parole de Dieu, la lumière doit être jaillie. Gloire à Dieu. L'aspect renouvellement. Marie-le. L'aspect renouvellement. Ça veut dire que c'est 5 minutes, n'est-ce pas? On va bientôt parler de lui. Nous voulons tout bagarre avec principe. L'aspect renouvellement, c'est quoi? C'est la capacité de l'intelligence de se défaire de ses anciennes pensées ou de ses anciennes mœurs. Est-ce que nous comprenons? L'aspect de l'intelligence, ça veut dire que le renouvellement de l'intelligence ou l'aspect renouvellement de l'intelligence spirituelle sont capacités que chrétiens ont gagné pour défaire lui. Et pour le prêt, pour l'abandonner, ça n'est pas bon.
Ça veut dire que lorsqu'on est chrétien ou illuminé par Dieu, une première bagarre qu'on veut se faire, ou abandonner. Quand un chrétien n'est pas prêt pour abandonner, ou pourquoi gain ça relève l'intelligence spirituelle, ou pourquoi un homme nouveau, ou pourquoi gain l'esprit de Dieu dans où? Parce que tout le temps, croit que des gens qui battent l'estomac, que qu'on dit moi-même, monsieur petit papa, me saute dans la race est telle, pas manger un frère. De pouvoir répéter parole ça, yo, ou pourquoi créer chrétien. Parce que le chrétien est une nouvelle créature. Lorsque Jésus-Christ est parlé avec femme samaritaine, immédiatement elle finit de parler. Et même la Bible pas dit ça dans notre spéculation. D'abord, le côté dernier nègre, elle dit, bon, carrément, avec un, encore. Parce que j'ai trouvé la lumière. Ma ronde qui sent dans la vie, ma la boumdou qui sent dans la vie, ma ni un prophète, ma rien, mais seulement ma boumdou, bagay qui dans la vie, ou besoin abandonner. Abandonner. Il y a des gens qui pensent que c'est seulement 3-4 madame qui péché, sous orgueilleux, ou rancunier, ou parmi pardonner les gens. Tout ça, c'est péché, mépriser les gens. Tout ça, c'est péché. Parce que lorsque la lumière est devenue de ma vie, il éclaire ma vie. Et aussi, il permet de me capabouer. Tout ça, pas bon. Et si nous avons une chance pour le camper encore, parce que nous ne connaissons pas. La dernière fois, il va continuer. Ça dépend de Dieu. Il va demander de nous. Nous avons une santé sur l'importance même de l'Église. Qui ça me vient faire le chita là? Est-ce que son temps vient passer? Qui responsabilité? Et nous connaissons que chrétien, immédiatement qu'on rentre en basel Jésus, ou c'est ennemi, le diable, ou devenu automatiquement un soldat de Christ. Le moment d'accepter d'entrer dans les affaires de Dieu, tu es un soldat. Ou son soldat. Ou un ennemi commun qui est le diable. Et nous ne pouvons pas parler de ça matin. Et pour nous terminer, nous avons exhorté les chrétiens. Gardez dans vous-même. Est-ce que dans deux aspects, ça, sous gain la caillou, est-ce qu'on gagne la vie spirituelle? Là, tout le monde a parlé de présence de Dieu. Est-ce qu'on sent-il? Est-ce que l'on a fait service? Est-ce que nous sentons présence de bon Dieu vraiment? Est-ce que c'est pour une politique ou bien son profession? Parce que les gens qui ont servi son profession, ils ont dit qu'ils ont chaque matin camper. Mais ils n'ont pas senti rien vraiment. On ne fait pas profession. Attendez, servir Dieu n'est pas une profession. Ou faire quelque chose dans Dieu, ce n'est pas une profession. Ce n'est pas la professionnalisme. Mais il faut ressentir vraiment ce qui est Dieu. On le fait encore chrétien. Mais exhortez nous matin, hein? Nous avons entendu parler pour Christ. Nous avons vu un petit Jean. Mais au fil de l'exercice, nous avons vu la vie plus claire. Mais exhortez nous chrétiens. Nous dans le dernier temps. On ne sait ni jour ni l'heure. Et lorsque Jésus-Christ revient, il jugera tout. L'arrivée sous le pose aux questions. Lorsque tu es venu à l'église, qui sortait fait pour moi, soit après répondre. Dans le temps, dans le centre de Baouan, dans le travail de Baouan, comment tu travailles avec elle, comment tu mettais le service de moi-même. Et ça m'a donné son vérité. Et je dis, là, ça me dit, le marqué dans les annales de Dieu. Parce qu'une fois qu'on entend les paroles là, ils sont jugement automatique pour vous. Parce que Jésus-Christ, c'est la vie, il a dit, bonjour, tu es tendé, mon prédicateur, tu as parlé. Et qui réaction tu as après son tendé? Ça fait m'exhorter nos chrétiens, restez dans la présence de Dieu. Mandez mon Dieu pour illuminer nous. Mandez mon Dieu pour l'esprit venir dans la vie nous. Mandez mon Dieu pour nous capables de recevoir l'homme spirituel, nous capables des hommes nés de nouveau, des hommes spirituels. Et pour me terminer, Satan n'a pas de problème avec l'église qui remplit. Vous me donnez? Satan n'a aucun problème avec l'église remplie. Une église remplie, il n'y a aucun problème avec ça. Le problème du diable, c'est des hommes spirituels, des hommes qui prient, des hommes qui possèdent la puissance de Dieu. Et ça fait que nous avons l'église remplie, mais elle n'a pas de puissance. Ça veut dire que c'est pour l'église remplie que pour Satan. Ce n'est pas ça le problème.
On l'église bleue, full moon, 3, 4, 5 000, moun, pas ça problème li. Mais est-ce que moun qui l'a d'ailleurs, c'est des hommes et des femmes d'eux? C'est ça qui est important pour lui. C'est ça qui est important pour lui. On nous bat seulement pour nous venir remplir d'air. On nous bat pour nous des hommes et des femmes puissants pour le service de Dieu. Et m'a garanti tout là. Dès que vous sortez à faire là, ou faites avec puissance, des moun qui sorti bien loin pour venir côté nous là. Parce que la puissance, c'est l'aimant que lui est. La puissance attire. La puissance, c'est un aimant. La puissance, c'est une attraction. Vous n'avez pas besoin de forcer, écraser, quand inviter les gens. Dès que vous faites des bagages sérieux, les gens viennent. Gloire à Dieu. Nous ne pouvons pas arrêter, malheureusement, 18-26. On l'autre fois encore. Si bon Dieu prête nous là, là, la vie. Que mon Dieu bénisse nous. Que nous passons bon dimanche. Deuxième service, on salue nous. Que mon Dieu bénisse nous. Adorer selon Dieu. Là, ben, mon Dieu avec nous. Grâce, mon Dieu, couvre nous. Intelligent. Dans le dernier temps, na vive là, nous besoin le Seigneur à chercher chrétien intelligent. Chrétien qui pas seulement là. Et c'est vrai, nous entendons et nous besoin ouvrir les yeux spirituels non pour nous capables dans qui tant que nous y est. Nous pouvons chanter, nous remercier serviteur Amayel qui était vraiment et sous inspiration le Saint-Esprit. Qui t'a vraiment nourri, nommé nous, d'une façon très, très bien. Et nous, quoi, l'Église bénie matin. Et tout le monde qui a attendu nous, qui a gardé nous, nous, quoi, ou béni, ou recevoir parole sa matin. Amen. Nous prenons debout pour nous chanter numéro 8, section française, chant d'espérance, dans les cieux et sur la terre. Et pendant que nous prenons, nous avons un pasteur. Vessane qui a terminé pour nous par la prière et bénédiction. Et nous sentons le Seigneur à travailler dans le temps nous. Amen. Le Seigneur à travailler. Bon Dieu, la voie est mon impère partout, les prédicateurs partout, la voie est pour nous. Et comme ce que tu as dit, nous dans le message là, posez-vous, pas bataille, pas goumé. Bon Dieu, la voie est tout ouvrier pour vous. Amen. La voie est tout le monde vous besoin pour vous. Fédra et bon Dieu à marcher dans les cieux et sur la terre. En nous entonner cantique ça ensemble. Dans les cieux et sur la terre, il est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Oh non. De Christ mort pour nous, quel bonhomme, quel bonhomme, quel bonhomme, quel bonhomme porte. Il est éternel, quel bonhomme, quel bonhomme, quel bonhomme. Que c'est lui de manière, quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, dès que le nom Jésus. C'est plus grand pour moi, quel bonhomme, quel bonhomme, quel bonhomme, quel bonhomme, porté loin de l'éternel, quel bonhomme, quel bonhomme, quel bonhomme, que celui de manière. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le
courageux, dit que le plus oppressé, quel bonhomme, porté loin de l'Éternel. Quel bonhomme, que celui de Manier. Praise God. Amen. Le nom de Jésus. Merci. Non. Bye, bon Dieu, gloire, honneur. Nous sentons bien, nous comprenons que nous réalisons que nous sommes la présence du Seigneur. Et pour nous bâtir gloire, pour nous bâtir honneur, et non seulement à cause des biens matériels que nous gagnons, nous possédons, mais c'est parce que Liban nous lui ouvre les yeux nous, pour nous comprendre la parole de Dieu. Nous vivons dans un monde qui est réellement développé, côté en pile. Dans toute science, nous réalisons que nous avons pile d'invention qui a fait, en pile gros causé, entrer dans les hôpitaux, nous avons pile de bagailles, comment docteur qu'on fait, c'est appareil qu'on y a, quelques bagailles par opération pas fait, en pile de bagailles qui a fait, à niveau technologie, dans tout domaine, comment l'homme intelligent, dans le domaine. Mais spirituellement, nous réalisons que l'homme descend. L'homme n'a pas évolué spirituellement. Parce que l'homme n'a pas cherché bon Dieu. Cependant, mes chers amis, nous apprenons que ce matin, le monde qui cherche bon Dieu, c'est un monde qui est intelligent. Ou intelligent. Pas intelligent pour faire ça qui est mauvais. On fait ça qui est intelligent parce que c'est Dieu qui vous a choisi et vous répondre à l'appel de Dieu. C'est pas vous qui choisissez, bon Dieu. Parce que l'homme pas intelligent assez pour te choisir, bon Dieu. Mais Dieu nous a choisi et Dieu doté nous d'une intelligence et nous apprendre, nous répondre à l'appel que Dieu nous fait, que Dieu fait nous. Maintenant, nous sommes contents de ce que Dieu nous envoie un message puissant et que nous va faire de bons dépôts avec ce message. Et que nous va servir, nous va que les paroles saillent au côté, nous connaissons bien. Côté qui gagne lumière, monde qui dans ténèbres a toujours cherché lumière ça. Et nous sommes certains que bon diable voyait monde, d'autres monde qui dans communauté a pour chercher connaître qui bonne lumière ça est, qui témoin elle. Moi j'ai un ami qui gagne l'église dans faute de dalle. Ils mettaient en lumière qui en haut. Oh, tout le monde qui est dans la zone est capable de voir la lumière. Ça. Donc, nous-mêmes, le Saint-Esprit est capable de chercher tout le monde parce que c'est la lumière qui est liée. Côté nous-mêmes, nous passons tout, nous sommes capables d'éclairer le monde à cause des paroles qui nous bouchent. Ça nous dit. Que bon Dieu bénisse nous. Que nous va toujours. Nous, pour la prière et pour remercier bon Dieu pour ces paroles que nous t'aiment matin. Merci Seigneur d'une façon spéciale. De ce que vous êtes un serviteur pour te porter un message, capable de pour éveiller nos seigneurs de notre sommeil spirituel, Seigneur. Merci Seigneur de ce que nous connaissons que la vie que nous gagnons, c'est dans où qu'elle sortit, Seigneur. Et Seigneur, bonne vie, et cette vie, c'est avec vie ça, que chaque jour nous lever, Seigneur, nous capables de respirer, nous manger, nous boire, nous faire tout ça qui est important à la vie corporelle, nous. Mais nous avons besoin de la vie spirituelle pour nous capables, parce que c'est vous-même qui baissez cette vie. Et mais c'est dans vous-même que nous jouons la vie. Ça. Et tout le monde qui rencontre vous, même Jean, ce vétérinaire qui parlait de la femme samaritaine, il était rencontré vous, et la vie était changée complètement. Et Seigneur, nous nous remercions. Et que dame ça, il était devenu aller pour aller annoncer, à faire. L'autre monde nous connaît, qui, mais ça, il y a un homme qui dit tout ça, il fait. Et si ce n'est pas le Christ qui est lié. Nous disons merci Seigneur pour ces paroles, merci pour la Bible, merci Seigneur de ce que vous ouvrez l'intelligence pour nous comprendre parole et permettre que nous soyons capables de dire parole ça et que tu nous va passer, nous va annoncer cette bonne nouvelle à Saïo qui
pas gagner cette bonne nouvelle. Nous bénissons, nous exaltons, nous glorifions, nous remettons le reste de la journée, nous remettons le deuxième service, Seigneur, qui va commencer à souper. Nous, tout le monde qui va préparer, qui est déjà en route, Seigneur, mandeau. Et même le monde qui connaît, qui peut quand même penser à ce service-là, faites connaître que vous devez adorer, parce que l'adoration due à vous-même seul. Merci, Seigneur. Nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Moi, je remercie vous d'être participé dans le service nous online. Que bon Dieu capable de continuer à bénir et à garder vous. Et nous allons rencontrer vous pour une autre émission.